in the canyon. That's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous avez découvert cette nouvelle vidéo. Je suis extrêmement content aujourd'hui de parler avec Monsieur Mamadou Dia, qui est cinéaste, qui a fait un film extraordinaire qui s'appelle Le Père de Nafi, qui est sorti le 9 juin dernier. Courez-y, il est encore en salle. Et je suis très content qu'il ait accepté cet entretien. Comment allez-vous, Monsieur Dia? Je vais très bien. Merci beaucoup, Samir, de l'invitation. Et je remercie aussi toutes les personnes qui regardent cette vidéo d'avoir pris le temps, de prendre le temps de l'écouter. Merci. Bon, le père de Nafi, c'est un film qui se situe en Sénégal, mais qui aurait pu se situer en France, en Algérie, au Mozambique, partout, dans le monde entier. C'est un film qui part d'un point A, qui est un pays, mais qui devient universel au bout de 2-3 secondes, au bout de ce premier plan extraordinaire où l'on voit un dos, un simple dos d'un homme. Et on comprend très vite que cet homme peut-être est malade ou va être malade, ou il y a quelque chose. Et puis progressivement, on entend d'abord sa voix qui est assez mélodieuse. Et puis progressivement, on passe d'un plan à un autre et on comprend ce qu'il est, où il vit, avec qui il vit, et puis surtout dans quel monde il vit. Et vous avez comme ça une manière de raconter une histoire comme si vous nous tutoyez, nous spectateurs. Et ça donne donc effectivement un film extrêmement universel. Je suis très content vraiment que vous soyez là pour parler de ce film, Le Père de Nafi. Avant de commencer à discuter de l'intériorité même du film, j'ai envie de vous poser une petite question. J'ai fait exprès de ne pas vous envoyer la question par mail parce que je voulais avoir une réponse spontanée. Ça sera juste, je ne sais pas, ou laissez-moi réfléchir un petit peu. Est-ce que, parce que quand on voit votre film, c'est vraiment aussi un film de quelqu'un qui a regardé des images ou qui a été regardé par des images dans l'enfance ou dans l'adolescence. Est-ce qu'il y a une image dans votre enfance, une image qui serait tellement marquante qu'elle a construit le lien que vous avez aujourd'hui avec l'image dans toutes ses formes? Alors, ça peut être un extrait d'un film, une photographie, un rêve, une scène que vous auriez vécue. Une image marquante dans votre vie, est-ce que vous l'avez là maintenant ou c'est un peu compliqué? Je pense qu'il y a plusieurs images en réalité de l'enfance. La dernière fois, j'écoutais Abdelrahman Cissoko au centre Yenenga, le centre à Dakar créé par Alain Gomis. Il parlait de ce linge qui séchait dans la cour de sa maison. Et il y a toujours ces images-là. Quand j'étais enfant, nos maisons étaient en terre battue et on remettait une couche à chaque année. Donc chaque année, c'était une nouvelle couleur. Chaque année, la terre était un peu différente. Il y a ces couleurs vives. On n'a pas grandi dans les musées ou dans les choses comme ça, de la peinture, mais il y avait toujours la couleur qui était là. Cette image de la lenteur, ce rythme que donne le fleuve quand les gens marchent lentement parce qu'il fait chaud. Ces images-là sont toujours restées avec moi. Je pense que ces images de couleurs qui vont en même temps avec le rythme lent et serré en même temps de ce qui se passe là-bas. Je pense que ce sont ces images qui me viennent à l'esprit maintenant. Mais est-ce que c'est vraiment lent? Est-ce que le rythme est vraiment lent? Il n'est pas lent, il est différent. Je pense qu'en ce moment, on est habitué au concept hollywoodien de couper tout, d'aller très vite. Mais c'est juste comment les gens marchent, comment les gens font. Chez moi, plus on grandit, plus on prend de l'âge, plus on prend le temps à répondre aux questions. Si vous allez dans ma région natale du Fouta, du nord du Sénégal, vous parlez à un vieux ou à une vieille dame, quand même quand vous leur dites bonjour, ils prennent le temps de digérer ce que vous leur dites pour vous rendre la réponse. Et c'est ce rythme-là qui voulait sortir le film. Le film ne pouvait pas être rapide parce que c'est comme ça que les gens parlent. Et c'est comme ça, en réalité, qu'Alassane Sy, qui a joué Tierno, c'est comme ça qu'Aïcha Talla, qui a joué Nafi, ce sont des gens qui prennent le temps de répondre, de bien réfléchir aux mots qu'ils donnent. Donc c'est juste un rythme différent que le monde cinématographique actuel veut juger comme lent, mais qu'il ne l'est pas. C'est juste un rythme différent. Le film est sorti il y a pratiquement une semaine. Est-ce que c'est une question fortement symbolique, je l'avoue, mais est-ce que parmi les retours que vous avez eus concernant ce film ou les questions que vous auriez pu avoir lors de débats, est-ce que vous avez eu parfois cette impression que des spectateurs veulent couper la parole à ce film? Ça, c'est une bonne question. Pour le moment, je pense que les gens sont rentrés et comme vous dites, par exemple, le plan du début, le plan de dos, ce dos qui pour moi représente la vulnérabilité, cette maladie inconnue qui représente notre maladie à nous. Qu'est-ce qui est arrivé au monde qu'aujourd'hui, que c'est l'extrême droite qui gagne partout, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit dans tous les pays qui se disent avancés, entre guillemets, en Europe du Nord, c'est toujours comme ça. Qu'est-ce qui se passe qu'on est si latent, qu'on se
qu'on reste les bras croisés quand les choses se passent. Personne d'entre nous ne bouge, on reste tellement tranquille. Donc pour moi, c'est ça. Je pense qu'avec cette arrivée du film, comment il commence, comment il se déroule, je pense que jusqu'à présent, les téléspectateurs ont eu la patience de suivre le film comme il est. Et aussi, c'est un film qui ne trouve pas de réponse, c'est un film qui pose des questions. C'est un film qui ne traite pas le téléspectateur comme quelqu'un de qui ne connaît pas les choses. C'est un film qui vous laisse remplir les complexités et les vides. Donc, je pense jusqu'à présent, si les gens se parlent, c'est surtout un dialogue interne avec eux-mêmes en essayant de comprendre ce qui se passe. Je pense pas que c'est jamais qu'ils veulent couper la parole pour dire quelque chose, mais qu'eux aussi prennent le temps de comprendre ce qui se passe et de l'internaliser. Avant de commencer à parler, et je sais qu'on a commencé déjà à en parler de votre film, mais j'aimerais juste, comment dire, faire une digression, toujours dans les limites de la cinéphilie. Est-ce que maintenant, avec le recul aujourd'hui, à l'âge que vous avez, est-ce que le cinéma, finalement, ça a toujours été une évidence pour vous? Ça, c'est une bonne question. Je pense que, en y réfléchissant, je sais que ce n'est pas le feu qui brûlait en moi que j'allais être cinéaste. Pour être honnête, je ne savais même pas que le métier de cinéaste existait en grandissant dans cette petite ville, dans ce village, on peut dire, dans lequel le film a été tourné. Imaginez ce village-là il y a 30 ans, là, quand j'étais môme. Je ne savais même pas que quelqu'un faisait le film. On regardait beaucoup de films à la télévision nationale, qui était la seule télé qui existait au Sénégal à l'époque. Passer beaucoup de films. Je pense que tous les soirs, c'était un peu le concept du cinéma à l'air libre, sans avoir le même nom, parce qu'on allait toujours voir chez les voisins. Les voisins sortaient toujours le poste téléviseur les soirs. On restait là, c'est à la frontière avec la Mauritanie, donc c'est proche du désert. Il y avait toujours le vent frais qui soufflait la nuit. On regardait des westerns, des films de Bollywood, on regardait des films américains, des films français, des films africains. On regardait tout. Donc pour moi, c'était juste un divertissement. Et on rejouait les scènes dans la rue. Comme enfant, on voulait bien jouer à ça. Et donc, je pense que la première chose, quand je me suis rendu compte qu'il y a quelqu'un, c'est quand je regardais Malcolm X de Spike Lee. Et je me souviens qu'en étant enfant, on n'a pas aimé le film trop, parce que nous, on aimait les films qu'il y a de l'action, des gens qui se tuent, des gens qui se tirent dessus. Et sur Malcolm X, je me souviens à la fin, on s'est dit, ah, il y a seulement un coup de feu à la fin. Ça, c'est pas un bon film. Mais je me souviens très clairement du générique du début, quand le drapeau américain brûlait et devenait un X. Et là, je me suis dit, ah, donc il y a quelqu'un qui nous presque manipule, en fait. Il y a quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Il y a quelqu'un qui nous veut comprendre ce qu'il veut. Et même jusqu'à présent, ça n'est pas arrivé. Donc, à mes 18 ans, quand j'ai aménagé à Dakar, j'ai quitté ma petite ville. Et là, Dakar était à l'époque 3 millions et demi d'habitants. Et là, j'ai vu cette ville qui est vraiment entre l'équilibre, entre, je sais pas moi, un chaos, une organisation, c'est vraiment puissant, c'est du feu en même temps, c'est vraiment de l'énergie en même temps. Et je voulais témoigner. Et c'est comme ça que je suis quitté la géographie pour aller au journalisme. Et le cinéma est arrivé quand j'ai compris le rôle aussi du narrateur. Même quand on est journaliste, quand on choisit à qui parler, quand on choisit comment monter son émission, je pense que le rôle est important. Et de chez nous, c'est toujours les histoires négatives qui sortent le plus. C'est toujours difficile de sortir quelque chose de positif. Je dirais pas seulement positif, mais nuancé. Et pour moi, pour sortir les choses nuancées, c'était important de faire du cinéma. Et je suis le genre de personne qui a besoin toujours d'apprendre avant de faire la chose. Donc, je me suis dit, je trouve un master, j'ai trouvé le master aux États-Unis. Comme j'étais dans la caméra, je voulais un master très pratique et long de 3 ans où je peux vraiment apprendre et avoir la connaissance. Et j'apprends toujours et j'apprends beaucoup avec les aînés, avec d'autres gens de ma génération. Et pour moi, c'était important. C'était pas. Comment dire, c'était pas quelque chose que je savais depuis le début. Je pensais arriver au fil du temps que je suis allé dans le cinéma. Vous parliez de journalisme, moi ça me parle beaucoup le journalisme parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai exercé pendant plus de 20 ans. Mais quand on écrit un article, on a tendance à essayer de faire en sorte que les personnages qui sont dans l'article soient vivants. Et très souvent, on reproche à certains films que les personnages ne sont pas vivants, mais qu'ils sont des archétypes ou qu'ils présentent des discours ou quelque chose comme ça. Quand on voit Le Père de Nafi, c'est vraiment différent, ils sont extrêmement vivants. Et d'ailleurs, le premier plan parle de ça, de la vie, de l'existence, de la vulnérabilité. Est-ce qu'on peut faire un lien entre la manière que vous aviez, vous, de capter la société à travers votre plume et aujourd'hui la manière que vous l'avez à travers votre caméra? Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux-là? Je pense qu'il y a un lien très clair entre les deux. L'un des liens, comme vous dites, c'est le personnage, c'est l'importance de la personne et du récit. Chaque récit est différent. Chaque récit est individuellement, foncièrement personnel.
je ne peux pas juste, même en journaliste, on ne peut pas juste dire l'expérience de Samir, c'est l'expérience de Samba. Ça ne marche pas comme ça. C'est toujours deux expériences différentes. Même deux jumeaux nés de la même famille, grandissant dans la même maison, ont des expériences et des histoires et des sensations différentes. Et pour cela, le journalisme a beaucoup aidé, parce que dans le journalisme aussi, on se rend compte que parfois, ce sont aussi, comme Jubel Mambeti l'a appelé, les petites gens qui font aussi les histoires. Ce sont eux qui changent la vie, ce sont eux qui deviennent, ce sont les héros de tous les jours. Et ce sont ces héros de tous les jours aussi qui m'intéressent dans le film. Chaque personnage ici est présent parce que je connais chacun de ces personnages-là. Parce que j'ai écrit de chez moi, dans ma langue, j'ai écrit avec des gens que je connais. Et ces personnes qui jouaient dans le film, n'étant pas aussi professionnelles, amenaient beaucoup dans le film. Ce sont eux aussi qui disaient, voilà ce que moi je le ferai. Quand je fais deux ou trois prises et qu'elles ne marchent pas, je les laisse dire, allez-y, fais-moi comme toi, tu le sentirais. Donc, ils jouent la scène comme ils le sentiraient. Donc, c'est important que ces personnages-là, parce que c'est aussi une société, comme vous connaissez, comme vous le savez très bien, où nos journées sont remplies d'autres rencontres. Ce n'est pas une journée où on est enfermé chez soi, on parle à personne, c'est tout le contraire. On dit salut même dans les transports en commun et on nous rend notre salut. On dit salut aux inconnus dans la rue. On parle à tout le monde. N'importe qui est une source de salutation. Quand on fait la queue à la poste, on devient bientôt comme des amis de longue date. On commence à parler de nos problèmes, de nos rêves, c'est toujours comme ça. Et ça, c'est ce que devait transparaître dans le film. Et pour cela, chacun des personnages devait avoir sa propre histoire et sa propre personnalité. Le film raconte l'histoire d'un virus qui est en train de s'installer progressivement, mais qui peut-être était là depuis un certain temps, mais qu'on ne voulait peut-être pas voir. Et vous, ce que vous racontez, ce que vous filmez, ce n'est pas ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'est-ce qui a fait que c'est devenu maintenant, entre parenthèses. Mmh. Et l'écriture, quand vous avez écrit cette histoire, quand vous vous êtes réapproprié des personnages que vous connaissez ici et là, des ambiances, des gestes, aussi. Est-ce que ça a été une étape douloureuse pour vous ou cette douleur elle s'est transparée plutôt dans une autre étape qui est peut-être le tournage ou le montage, quelque chose comme ça. Quelle a été l'étape la plus compliquée pour vous où vous aviez du mal à gérer cette distance avec une histoire qui vous parle beaucoup? Je pense que l'étape la plus compliquée pour moi, c'est toujours l'écriture en fait, parce que l'écriture c'est quand même un moment très solitaire. Je pense que la dernière fois, j'en parlais avec Mati Diop, que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Elle disait la même chose, que c'est un moment vraiment où on est seul, parce qu'on est en train de chercher ces personnages, on est en train de chercher toutes ces choses. Et c'est vraiment comment les faire vivre en même temps et comment pousser cette histoire-là. Et je pense que c'est devenu un peu plus concret. Quand je suis arrivé aux États-Unis, c'était avant Trump. Donc Trump a été élu quand j'étais aux États-Unis. Et moi qui vivais à New York, dans une petite bulle new-yorkaise où on entend toutes les langues dans la rue, on a l'impression que tout le monde vit à New York. On entend les langues les plus rares à New York. On rencontre des gens qui viennent de tous les pays du monde. Comment ils ont pu élire Donald Trump? Et c'est ça la question qui a poussé le scénario dans ce sens-là. Donc si ici, dans cette ville où je suis, où les gens se disent si démocratique, ils ont pu élire cette personne-là, comment ils sont arrivés là? Et donc, c'est ça qui intéresse le scénario. Et comment faire que dans cette communauté, quelqu'un vienne corrompre cette communauté-là? Et je ne voulais pas que ce soit quelqu'un de l'extérieur, parce qu'on a toujours cette tendance dans tous les pays à se dire que c'est toujours quelqu'un de l'extérieur. La menace, c'est les étrangers, la menace, c'est les migrants, la menace, c'est les, je sais pas moi, les personnes de première génération. C'est toujours comme ça, ce n'est jamais nous. Et donc, pour cela, l'écriture a été difficile dans ce sens-là, trouver quelqu'un de l'intérieur qui soit vraiment celui-là qui a corrompu la société. Et c'était vraiment celui-là à laquelle la société avait beaucoup d'espoir. Et il prend ce pouvoir-là parce qu'il prend le vide de l'État. Tu vois, le film commence avec un peu, disons, une petite gifle, symbolique à l'État, où l'on entend les députés à l'Assemblée nationale qui se battent au coup de poing. Et ça, ce sont des réalités qui arrivent dans nos pays. Et comment cette personne arrive à prendre tout le vide avec son argent, avec son pouvoir, et à le prendre. Donc, pour cela, l'écriture a été très difficile dans ce sens-là. Mais pour le tournage, je pense que l'une des techniques a été de dire aux acteurs, dont la plupart sont non professionnels, que ça, ce n'est pas ma tam, ce n'est pas ma ville de naissance, ce n'est pas votre ville de naissance. Ça, c'est Yonti, c'est une ville imaginaire. Donc, pour cela, je pense qu'ils se sont distanciés un peu de la réalité pour pouvoir jouer des choses qu'ils n'ont jamais vues ou vécues. Dans l'histoire, il y a deux frères. Iman, qui est imam d'ailleurs de la mosquée du village, et puis il y a son autre frère qui s'appelle Ousmane et qui lui revient
on devine plus ou moins d'où, mais revient avec des idées qui finissent par être des idées extrémistes. On se demande même s'il y croit réellement à ces idées-là. Ça, c'est autre chose, c'est une autre paire de manches, parce qu'il y a quelques indices que vous distillez comme ça dans le film où l'on comprend qu'il y a vraiment une espèce de relation à la Abel et Cain, et voilà, avec une très très belle scène avec leur mère à un moment. C'est très très beau. Il y a beaucoup de très très belles. Il y a beaucoup de beaux plans et pas de belles scènes. Parce que les plans, c'est une conscience et vous avez vraiment conscience de ce que vous faites dans ce film. Et d'ailleurs, je voudrais vous poser une question de journaliste, c'est-à-dire une question qui ne sert à rien. C'est pourquoi, alors voilà, c'est ça la question qui ne sert à rien. Pourquoi le père de Nafi, qui est un titre fascinant, je trouve. Le père de Nafi. Pourquoi ça, c'est une bonne... Ouais, c'est une bonne question. Vous pouvez me répondre, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, non, bien sûr, je pense que... Mais pour moi, c'est bien, mais j'aimerais juste revenir un peu à l'imam et le frère. Donc, je sais que beaucoup de fois, quand on a parlé du film, même pour le pitcher, même pour pendant le tournage, après le tournage, les gens s'attendent toujours à ce que soit l'imam le terroriste. C'est très intéressant comme chose. Et pour moi, je n'y ai jamais pensé. Parce que moi, les personnes religieuses, qu'elles soient catholiques, juives ou musulmanes, toutes les personnes ou bouddhistes que j'ai rencontrées qui sont vraiment, vraiment spirituelles sont les personnes de paix. C'est très rare de rencontrer un imam dans un pays qui est juste va en guerre. C'est vrai que la presse en parle tout le temps, mais je sais que vous connaissez que la plupart des prêtres, donc c'était important pour moi. Donc le père de Nafi, c'est très intéressant dans le sens où chez nous, je pense probablement ça vient de l'islam, que souvent on appelle les papas comme Abu Abdel. Des choses comme ça. Donc, il y a cette idée que nous aussi, on fait en polar, on dit « Bamoum tel », on va dire « Bamoum Samba »,« Bamoum Alassane ». Et c'est comme ça qu'on définit parfois le papa. Et pour moi, c'était intéressant que le film, dans le titre du film, qu'on sache que c'est un drame familial. Et c'était important pour moi, dans le titre du film, qu'on sache qu'il y a Nafi dedans, que ce n'est pas seulement le père. Et que cette relation-là de père et de fille qui fait passer toute l'histoire. Donc, c'était important que c'est un père qui va changer le film. Et c'est une fille qui va changer le père. Donc, c'est pour cela le titre. Mais est-ce que le père de Nafi est un père qui a su regarder sa fille parce qu'il a fait en sorte de la regarder comme... il a fait en sorte que sa fille soit toujours à ses côtés. Donc, il sait comment la regarder. Et à partir du moment où sa fille décide d'aller dans un point B, là, il a peur de ne plus savoir la regarder. C'est pour ça qu'il en finit par devenir parfois un peu autoritaire. Est-ce qu'il y a cette raison-là? Ça, c'est une très bonne raison, parce que la réalité est que Tcherno aussi, qui est peut-être une des bonnes personnes du film, n'est pas parfait. Tcherno veut la liberté de sa fille, il veut, il veut tout de sa fille, mais il ne veut pas que la fille parte. Tu vois? Donc, Tcherno, c'est aussi cette personne-là, c'est le père qui a vu grandir sa fille, cette fille qu'il ne voulait peut-être pas, qu'il a eu très jeune avec une femme dont il n'est pas amoureux. Donc, il y a tout cela. Mais il est arrivé à ce que sa vie soit autour de cette fille-là. Cette vie qui va probablement finir très bientôt, mais qu'il n'arrive pas à dire à la fille. Le souhait de Tcherno serait de dire, reste encore avec moi une année. Je ne vais pas durer plus d'une année, mais reste avec moi cette dernière année. Et ça, il ne peut pas le dire par fierté. Il ne peut pas le dire par peur. Il ne peut pas le dire aussi par empathie. Parce qu'il a peur que s'il le dit, il va détruire tout le rêve de cette fille-là. Donc, il y a tout cela. Donc, votre lecture est probablement correcte dans ce sens-là. Mais c'est ça, c'est que tous les personnages, finalement, ont, comme disait Jean Renoir dans La Règle du jeu, tout le monde a ses raisons, finalement, dans cette société. Etienne Do, qui est donc le rôle, qui joue le rôle de l'imam, vous l'avez dit, la complexité de son personnage. Et puis, il est en face de son frère, Ousmane, qui revient, et avec beaucoup d'argent. Et puis, on comprend que cet argent est lié au terrorisme, à l'intégrisme, et qu'il essaie de prendre la place du maire, qui d'ailleurs a un rôle, enfin, c'est un peu une espèce d'arlésienne. Donc, tout le monde a ses raisons dans ce film. Il y a Nafi aussi avec son cousin qui est censé être son petit amoureux. Ben, elle hésite plus ou moins. Et donc le film, tous ces personnages sont liés par quelque chose de très fascinant qui fait que le film devient universel. C'est la manière, et vous l'avez dit au début de l'émission, c'est la première chose que vous avez dite, c'est la manière que vous avez de travailler le rythme du film. Et je pense que ce rythme que vous utilisez, donc, qui est un travail très fort sur le temps, permet aussi de poser un décor et de comprendre la complexité de chacun des personnages et finalement d'accepter ce que le destin va leur faire subir. C'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'il faut du temps pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé et pour essayer de trouver des solutions. Le temps.
Je pense que ça, c'est très important. Je pense qu'il fallait déjà poser le film. Il fallait le poser dans le sens du rythme, dans le sens où quand... Parce que c'est pas un film où il faut sauver le monde. C'est un film qui se limite à comment je sauve ma fille. C'est un film qui se limite à comment je peux aller étudier à l'université. C'est un film qui se limite à comment je peux payer assez pour gagner la mairie. Donc, c'est ça le film. Donc, pour arriver à ce point-là, je pense que c'était très important de montrer d'abord le rythme, de poser chaque personnage, quels sont les intérêts, comme vous le dites. C'est très important. Chacun a son plan. Dans ce film-là, c'est comme dans une famille. Chacun a sa chose. On vient voir la grand-mère parce qu'on veut cela. L'autre fait ça parce que c'est vrai qu'il y a un peu d'amour, mais il y a aussi de l'intérêt. Donc, chacun suit son intérêt dans ce sens-là. Et c'était important d'en arriver là. Et je savais que consciemment, dans le rythme du film, comme aussi en écriture, on vous l'apprend tout le temps, l'idée, c'est de retenir le téléspectateur sur sa chaise de salle de cinéma. C'est se dire jusqu'à quel point je peux tirer. Dans ma tête, quand j'écris et quand je monte le film, je sais que si je retiens cette personne jusqu'à ce moment-là, elle va rester jusqu'à la fin. Et c'est ça le risque. Comment prendre ce rythme-là? Comment l'importer? C'est déjà de la première scène qu'il le faut. Il faut dire à cette personne, ça, c'est un film qui va pas être le rythme américain, on va couper tout le temps. C'est un film presque où on peut, je sais pas moi, chuchoter à son voisin, revenir et toujours rester dans le film. Donc ça, c'était important de le faire dans ce rythme-là. Vous aviez des visages en tête lorsque vous aviez commencé à écrire vos personnages, des visages de comédiennes et comédiens? Donc, à la Sancy, quand j'écrivais le film, j'avais pensé Tcherno un peu plus âgé. Et j'ai rencontré à la Sancy à New York, où qui est aussi un réalisateur, il présentait son court-métrage. Et je suis complètement ébahi. J'ai dit, à la Sancy, tu vas faire le film. Et c'est comme ça aussi que c'est réel, où les gens se marient très tôt dans cette société. Donc, c'est un père de 35, 37 ans qui a une fille de 17 ans. Et Alassane a été vraiment magnifique dans ce rôle-là. Ousmane, qui est aussi un acteur du Théâtre national Daniel Sorano du Sénégal, mais qui est né aussi de ma petite ville, il a grandi, c'est un ami de mon grand frère. Donc ces deux-là étaient là. Et pour les autres, je suis vraiment allé plusieurs semaines, plusieurs mois avant le film dans ma ville pour faire un genre un atelier. Rencontrer des gens, leur parler. Et l'idée, c'était de toujours jouer des scènes qui sont similaires aux scènes du scénario, mais sans jamais jouer le scénario. Le scénario en tant que tel, on le jouait seulement pendant la répétition d'avant-tournage. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé Aïcha Tallas, qui a joué Navi. C'est comme ça que j'ai trouvé Alassane Doye, qui a joué Tokara. Ablaye Diko, qui joue le maire dans le film, a travaillé à la mairie de Matam pendant plus de 25 ans. Donc, c'était facile pour lui d'imiter un de ses patrons dans chacun dans chacune des scènes. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé en jouant ces personnages-là. Alassane, si, très tôt, j'ai su que c'était lui qui serait l'imam. Et il a été très gentil d'accepter depuis le début. On a fait beaucoup d'échanges. Il a beaucoup apporté, même dans le jeu des acteurs qui ne sont pas et qui n'ont pas été expérimentés. Je pense qu'ils ont aussi beaucoup appris de lui. Alors, vous parlez du jeu des acteurs, il y a quelque chose aussi de très intéressant dans le film, c'est la manière que vous avez de travailler sur la scénographie. Je pense à une séquence particulièrement, bah, c'est une fameuse séquence, c'est quand il y a le conseil municipal, si je ne me trompe pas, et où on voit là, pour le coup, la première fois, les intentions d'Ousmane, avec ses 4-5 femmes voilées qui arrivent, le fric qui distille comme ça, et puis la manière qu'il a de parler au maire, de vindicatif comme ça. Et puis vous avez une manière de travailler la scénographie qui nous donne cette impression qu'on va étouffer parce que le plan est surchargé, mais il y a quelque chose d'étrangement aéré dans vos plans. C'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe, on voit l'étouffement de la situation, mais nous, spectateurs, on est aéré. Comme si, en fait, on voyait tout ce qui était hors champ. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer, mais vous avez une manière de travailler cette scénographie qui nous permet de comprendre le hors champ. En fait, du plan. Et c'est ce qui fait qu'à jamais, à aucun moment, vous nous manipulez, on se sent prisonnier d'un soi-disant message, alors que le cinéma c'est pas des messages. Vous n'êtes pas postier, vous n'êtes pas facteur, vous êtes cinéaste, donc vous n'envoyez pas des courriers, vous envoyez des films, c'est différent. Et donc, ça c'est très, très beau, je trouve, la manière que vous avez de travailler votre scénographie. Cette scène est très importante parce que c'est une scène, c'est la scène vraiment de doute de la communauté. Et c'est la scène dont on se rend compte que le conflit n'est plus fraternel. Le conflit a dépassé le père et la fille. Le conflit a dépassé les deux cousins. Maintenant, il devient au niveau communautaire. C'est vraiment le niveau de la communauté. Et là, on suffoque parce qu'on se rend compte vraiment qu'à la place de ces villageois-là, que nous aussi, probablement, on aurait choisi Ousmane. Que faire autant à la place? On n'a pas de boulot. L'agriculture ne donne pas. Et c'est une zone qui dépend de l'agriculture, où c'est sincèrement la pluie
qui fait tout. Et cette personne qui vient avec des semences, qui fait des promesses qu'on sait qu'il pourra tenir. Ce maire qui n'habite même pas notre ville, il habite la capitale sûrement, il vient seulement pendant les élections. On supporte parce qu'on sait que c'est cette situation-là, elle peut être à nous. Il faut l'aérer en même temps parce qu'on ne veut pas aussi, on veut aussi composer avec les téléspectateurs, les laisser toujours réfléchir. Et cette scène finit avec ce plan large qui montre, voilà une ville qui va se diviser, voilà une ville qui ne va plus être comme avant. Et on comprend les deux sens, parce que l'idée c'est qu'il n'y a pas de bon ni de méchant. Nous sommes juste des personnes, nous sommes là aujourd'hui, par le fil des circonstances. On aurait pu être inversé. J'aurais pu être le journaliste qui vous interviewe aujourd'hui. C'est juste par des concours de circonstances qu'on arrive à là où elles sont. Parce qu'on est encore dans des communautés où on ne décide pas de ce qu'on fait. On finit l'université, c'est peut-être un oncle qui vous dit « Ah, va faire journalisme, c'est ça, il y a du boulot dans le journalisme maintenant. » Ou « Va faire médecine. » Donc c'est très rarement, c'est mon rêve d'enfance et je le poursuis. C'est parfois juste la réalité des choses. Les frères aînés vont prendre le boulot le premier pour voir à la famille, des choses comme ça. Donc cette scène-là, je pense que c'est une scène dont on a eu beaucoup de fans et beaucoup aussi de travail à la préparer et à la faire. Et puis le film, le récit en tout cas, quand le récit sait que le spectateur et la spectatrice sont concentrés, bah, le récit prend un virage qui est complètement inattendu, à savoir que finalement, dans Le Père de Nafi, il y a surtout Nafi, et c'est elle le futur, c'est elle l'avenir, et le film prend un virage vraiment sans dévoiler quoi que ce soit, mais on est très surpris par la mise en place d'une dramaturgie très forte. Ouais, je pense que c'est important, c'est aussi important pour parler aussi du rôle des femmes. Moi, je viens d'une société où les femmes sont très importantes. Les femmes, ce sont des figures imposantes, mais sans le crier fort, sans se bomber le torse, sans le montrer. Elles ont ce pouvoir très discret. On sait que ce sont les femmes qui décident de tout aujourd'hui. Beaucoup de familles sont tenues par des femmes. Mais toujours, ce n'est pas la femme qui va se dire « je suis la patronne de la famille ». Ils peuvent toujours laisser l'homme faire, on peut se montrer homme dans les rencontres publiques, mais on sait que ce sont elles qui ont le pouvoir. Et Nafi est cette personne-là. Nafi, ce sont mes mères, ce sont mes grands-parents que j'ai vus. C'est elle qui tenait la maison, c'est elle qui vraiment faisait comment ça marche dans la vie. Cette grand-mère dans le film, c'est vraiment comme la grand-mère de l'espace-là. Donc, c'était important pour nous de garder ce rôle-là. Mais c'est Nafi elle-même qui va changer. Nafi va changer pour toujours, elle n'est plus la Nafi d'avant. Elle est devenue adulte un peu plus tôt. Et elle va le rester probablement. Mais c'est une personne qui a changé pour toujours. Et c'est elle qui va changer la société. Et comme vous dites, le futur, c'est vraiment elle, le futur. Quand est-ce que vous l'aviez terminé, votre film? Le tournage? La post-production, quand est-ce qu'il était... Donc c'était terminé juste en Locarno. C'était en août 2019, septembre 2019. Ah oui, donc on l'a fini. On l'a fini juste avant, je pense, les derniers jours de Locarno. C'est là où on a eu la chance d'avoir l'État du Sénégal qui nous a aidés pour la post-production. Et aussi Canal Plus est venu aussi pour soutenir. Et c'est comme ça qu'on a fini la post-production juste avant Locarno. Et après, la pandémie est venue, tout changer. Et on est content qu'on l'a quand même montré au Sénégal, à travers le pays. C'est ça, je ne peux pas vous poser cette question, mais comment vous l'avez vécu, vous, en tant que cinéaste, et surtout avec ce film-là important? Pendant ces deux années très incertaines, comment cela s'est passé? Donc, je pense que c'est très dur, mais quand je vois aussi mes autres collègues et amis qui ont fait le film juste avant la pandémie, qui ne sont jamais sortis en salle, je me sens un peu plus mal pour cela. Nous, on a eu la chance quand même, le film a été passé à Locarno, il est passé à Namur, il est passé à plein d'autres festivals. Et aussi, il y a eu des festivals aussi, on s'est rendu compte que ce n'est pas tout mauvais, cette chose-là en ligne. Il y a ce festival qui se passe au Canada qui s'appelle Vue d'Afrique, où Alassane Sy a eu le prix du meilleur acteur là-bas, et le film aussi a eu un prix. Ils avaient dit que jamais ils ont eu ce chiffre de téléspectateurs en faisant le festival en ligne. Il y avait aussi plein de gens qui ne pouvaient pas se déplacer ou qui n'avaient pas le temps, qui ont quand même vu le film en ligne. Donc, pour ce côté-là, c'était bien. Et pour nous aussi, c'est que mon associé et moi, nous avons une compagnie qui s'appelle Joy Didi. On s'est associé avec le centre Yenenga de Alain Gomis. On a fait la sortie au Sénégal. Et la sortie nationale, on l'a fait dans ma petite ville à Matam. C'était si beau de voir tous les acteurs qui ne se sont jamais vus en grand écran. Parce que dans ma ville, il n'y a pas de ma ville ou mon village, il n'y a pas de cinéma. Donc Aïchata Allah qui a joué Nafi, Alassando et toute sa génération n'avait jamais vu de grand écran sur un film. Donc eux-mêmes se voir être acteurs dans ce film, je pense qu'ils ont adoré. Et les débats étaient magnifiques, c'était des débats qui duraient des heures. Et après on a fait la tournée
dans le Sénégal, avec notre bus, c'est nous-mêmes qui faisions les projections. On gonflait l'écran juste avant et on faisait les projections, les Q&A, on rangeait les chaises, on mettait tout dans le bus et on allait dans la ville suivante. Et après, on l'a montré aussi au complexe Saint-Ben Ousmane, qui est un cinéma à Dakar. Et le COVID, hélas, est arrivé pour arrêter la distribution. Maintenant, là, on va reprendre. Et quels sont les retours depuis 2 ans, hein, de manière internationale, que ce soit au Sénégal ou dans d'autres pays du monde entier? Les retours, en l'occurrence, sont très positifs, hein. Je pense que les retours sont dans la plupart du temps positifs. Je pense qu'on a toujours les nihilistes, les gens qui sont encore dans le déni, qui vont dire, ah, c'est pas arrivé chez nous. Donc, pourquoi faire le film là? On a un peu de ces gens-là. Et c'était aussi ça l'intérêt du film, de faire parler ces gens-là. Parce que c'est toujours nos frontières, comme Senghor le dit, nos frontières balkanisées. Quand on pense que le Maroc est touché et que les Algériens pensent qu'ils sont à l'abri, c'est vraiment se tromper. Parce qu'il y a des zones où les gens. Au Sénégal aujourd'hui, il y a des villageois du Sénégal, quand ils sont malades, ils sont plus proches de la Gambie. Ils vont probablement aller en Gambie. La même chose que des Guinéens qui sont plus proches du Sénégal. Donc, c'est vraiment un mélange de ce sens-là. Et c'est important aussi d'entendre ces gens-là et de les écouter. Et la réception a été bonne, la réception des acteurs. Je pense que ce sont des gens qui veulent continuer à jouer dans les films. La réception au Sénégal ou ailleurs, la presse française. Je suis un peu surpris, mais c'est aussi une belle surprise que la presse française l'a bien pris depuis la sortie du 9 juin. Et espérons que le film va continuer à plaire et surtout amener des débats. S'il fait réfléchir, s'il faut poser la bonne question, à se dire, on n'est peut-être pas à l'abri, tout le monde peut arriver là. Quels sont les signes avant-coureurs? Comment en parler? Comment en discuter? Et je pense que c'est ça l'intérêt du film. En tout cas, votre film est très très beau et il est sorti donc le 9 juin dernier. Il est encore en salle à l'heure où nous faisons cet enregistrement, c'est-à-dire le 16 juin, et je pense qu'il sera publié soit le 17 ou le 18. Donc, c'est un film sénégalais. Je dis bien sénégalais, je ne dis pas africain parce que ça ne veut rien dire et j'insiste énormément sur ce terme-là. Voilà, Merci, voilà, merci. voilà. Et que Donc, jusqu'à présent, africain en cinéma, c'est péjoratif, pour être ah, honnête. mais Jusqu'à présent, dans le monde du cinéma, quand on te labellise film africain, là, il Mais y a je un pense que problème. je peux être extrêmement violent, je peux tuer quelqu'un quand en entendant le mot cinéma africain qui ne veut rien dire. Donc voilà, donc ça me fait super plaisir de voir, et je sais que l'industrie cinématographique au Sénégal est très forte historiquement et qu'elle a donné beaucoup. Et c'est important d'aller voir, non pas parce qu'il est sénégalais ce film, mais c'est un très beau film, c'est Le Père de Nafi, c'était Mamadou Dia. Mamadou Dia, merci beaucoup vraiment d'avoir accepté cet entretien. Ça a été un plaisir pour moi de dialoguer avec vous. Et puis j'espère que vous aurez. On espère revoir d'autres films de vous bientôt, très vite. Et en tout cas, c'est ce qu'on dit. On dit Inch'Allah. Voilà, on va dire Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup Merci. Samir. Merci à tous. C'est Excusez-moi. vraiment gentil de vous parler. Merci de votre temps. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Générique, Merci. c'est parti. Ah, bien Merci. sûr. Alors, j'oublie de dire que pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur le film, il y aura bien évidemment un petit lien dans le descriptif de cette vidéo qui renvoie la fiche du film. Et voilà. Et vous pourrez comme ça aussi vous savoir où est diffusé le film dans les salles de cinéma. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Mamadou. Merci. Up arrive in the canyon, that's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony, and me.